Yo, salut tout le monde, c'est Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un SRAM Lamurai. Donc je l'ai pris parce que son passif va être intéressant, qui nous permet de nous soigner de 26 points de vie à chaque fois qu'on déclenche un piège, ou du moins que l'adversaire déclenche un piège. Ensuite, le sort Zdaglaktit va être très intéressant pour mettre de la pression à l'adversaire, car il inflige 25 dégâts, 43, 61, ça dépend du nombre de sorts que l'adversaire va jouer, mais on peut très vite monter à de gros dégâts. Alors voici le deck. Alors ça va être un deck que je vais appeler Tank. Alors pourquoi Tank? J'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Ce que j'appelle un deck Tank, c'est un deck qui va être agressif. Donc on va agresser l'adversaire. Mais en même temps, on aura des moyens de nous défendre tout en agressant sans perdre trop de tempo. C'est ça l'idée. Alors déjà, première chose, je ne voulais pas jouer Shushir. Parce que le problème, c'est qu'en deck buildant autour de Shushir, je me suis rendu compte que le deck était quasiment le même que celui du Kartana. Donc pour un souci de diversité, je me suis empêché de jouer Shushir. Donc alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le piège mouillon que je vais comboter avec la sanglade dans le même tour. Hein. Donc ça nous permet de faire 43 dégâts plus nous soigner 26, le tout pour 6 PA, donc ce qui est vraiment très intéressant. Ensuite le piège Lébin que je vais pas hésiter à jouer sans rembobinage, donc ça compte comme un piège à 3, donc le 4 et il me donne un point d'action. Que je vais comboter donc avec la pulsion, donc ça permet de faire un tour à 39 dégâts plus 26 points de vie sur nous, donc c'est intéressant aussi. Ensuite, j'ai mis la punition engourdissante, c'est pour appliquer l'état mouillé pour le Zdaglaktit, évidemment, que je vais comboter pour faire un tour plein avec la peau d'ombre. Peau d'ombre qui va être une bonne option dans un deck tank, car ça va nous permettre d'être inciblable, mais ça ne coûte que 3 PA et ça nous rapporte 2 de jauge, donc ça permet quand même d'être agressif. Ensuite, pour de la stabilité, j'ai rajouté 2 sorts, donc le point de tsunami qui va nous rapporter 2 de jauge et qui peut nous faire gagner 2 points d'action, si jamais on a l'état mouillé. Et enfin, j'ai mis la punition spongieuse qui va nous permettre également de rapporter 2 générations de jauge haut tout en nous offrant un autre moyen d'appliquer l'état mouillé. Au niveau des compagnons, j'ai mis Bump, donc Bump qui est axé offensif, hein, c'est un très bon choix lorsque l'on veut jouer un deck agressif. En plus, le fait qu'il coûte 5, donc un nombre impair de jauge, fait que quelle que soit la sortie que je vais l'avoir, je peux l'invoquer tour 3 si j'en ai envie. De plus, il nous rapporte son sort, donc le bouclier qui nous permet à la fois de tanker mais aussi de piocher. Car on voit que je vais très souvent faire des tours à 2 sorts, donc il faut compenser le card advantage de moins 1 que apporte chacun de ces tours par de la pioche. Donc à la fois le sort de bump, mais en plus le fait que le sort nous fasse piocher, permet en même temps de cycler sur notre deck. Ensuite j'ai mis la épinette, hein, c'est aussi pour pouvoir piocher, donc pour pouvoir contrebalancer ces tours card advantage de moins 1. Épinette qui va être intéressante pour des tours où l'on veut être à la fois agressif avec notre corps à corps, mais qu'on veut se prémunir du corps à corps de notre adversaire, donc on veut attaquer tout en esquivant la réponse de notre adversaire. Donc on va attaquer avec notre corps à corps, invoquer épinette 2 cases derrière, on change de place, on attaque avec épinette, et notre adversaire pourra pas, prochain tour, avec ses 3 PM, nous atteindre. Donc on a pu attaquer tout en se défendant. Ensuite j'ai mis la écho, donc la écho qui apporte une pression toute relative hein, du haut de ses très faibles points d'attaque, mais le fait qu'elle nous soigne en même temps, ça va être intéressant, ça peut donner à notre adversaire l'envie de la focus, et donc nous, de tanker encore davantage. Et enfin j'ai mis l'alchimiste armuré d'une part pour équilibrer les jauges, mais aussi parce qu'elle a la plus grosse force de frappe des compagnons bi-éléments. Et en plus son effet d'apparition permet soit de sortir d'un encerclement, soit de continuer l'agression sur notre adversaire, tout en mettant hors de position un de ses compagnons, dans certains cas très précis. Peut-être qu'il y en aura dans le gameplay, mais on verra ça à ce moment-là. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un crabe, une lame, joué par Capote Usagé. Bon, pourquoi pas. Alors ici, je vais jouer en deuxième, en face il y a un deck plus léger que le mien. Donc vu que c'est un but là, on va partir du principe que c'est le deck que je vous ai montré, ou une version toute similaire, donc une version très combo. Et on va essayer de jouer autour de ça. Donc là, il part sur une pointe acérée, avec une pointe étoilée, donc un bon start pour lui qui lui permet de creuser son deck. Pointe d'acérée qui me salue ici, je vais faire de même. Donc là, je demande hein, directement si c'est le deck que j'ai présenté. Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc il va falloir jouer autour du tour de combo, quoi. Donc ici, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer à avancer sur ma jauge haut, tout en appliquant l'état mouillé, parce que l'état gelé peut être très intéressant dans ce match-up-là, dans la mesure où il ne pourra pas faire un gros tour de combo, parce qu'il va en fait se tuer tout seul, si jamais il le fait. Donc ici, il me balance le bumbon, avec l'archerie. Donc apparemment, il a la sortie pour le combo au tour 4, donc c'est pas une bonne nouvelle pour nous ici. Alors ici, je vais essayer de ne pas cramer l'état gelé pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vais partir sur... le point de tsunami, et là je vais espérer tour prochain piocher le sort d'inciblable. Donc là, mais voilà, c'est bien motivante comme prévu. Donc là, bingo, j'avais une chance sur deux, tour d'inciblable. Donc je vais pouvoir remettre l'état mouillé que je venais de consommer et me balancer d'inciblable à ce tour là.
à ce tour-là, il peut pas utiliser son combo. Alors évidemment, j'ai pas invoqué Bump, hein, j'ai pas envie de lui donner une cible. Parce que j'avais invoqué Bump, certes, j'aurais gagné 32 dégâts, mais en même temps, il aurait pu le défoncer tout en invoquant sa quête compagnon. Enfin, c'est pas ce que je voulais ici. Donc ici, je veux que son premier tour de combo soit compliqué à travers le fait que j'ai appliqué l'état inciblable sur moi. Alors ici, il me tape avec son corps à corps, hein, pour m'infliger quelques petits dégâts. Ensuite, il se fait une ataraxie sur lui, donc pour avancer sur ses jauges. C'est la seule option intéressante qu'il a. Ici, donc, il me joue à Chuchir, donc il part sur un autre plan de jeu, ça veut dire qu'il n'y aura pas le flécheur déjà. Donc je vais peut-être me prendre un combo un poil moins violent, mais je vais quand même mettre l'étage là à ce tour-là, parce que j'ai vraiment pas envie de mettre le... j'ai vraiment pas envie de prendre le combo en fait. J'ai envie de ralentir ce combo le plus possible. Je vais profiter, donc c'est une des rares cas où je vais profiter du rembobinage, hein, donc j'en profite, et je pars sur Echo. Parce que certes, j'ai envie de finir mon adversaire assez vite, mais j'ai pas envie qu'il me défonce trop rapidement sur un de ses combos aussi. Donc ici, Echo me semble être le meilleur choix. Alors ici, bah, il est, je pense, bien embêté, hein, par le fait qu'il ne puisse pas jouer un gros tour de combo. Donc là, il vient de taper avec son corps à corps. Très bien. Donc il reste à portée de mon piège. Hein. Donc c'est intéressant, hein, vu que c'était la seule porte de sortie, le piège. Bah, finalement, il reste autour si jamais il a envie de profiter de son corps à corps. Là, il me met l'état éventé. Très bien. Puis la pointe étoilée. Très bien. Donc il veut davantage de pioches. Alors qu'il perd des mires. Je ne sais pas si c'était pertinent comme choix ici, mais bon, ce n'est pas grave. Alors ensuite, il va passer son tour. Donc là, ce que je vais essayer de faire, hein, comme d'habitude, je vais continuer de mettre la pression tout en essayant de me soigner et en me mettant à l'abri parce que j'ai pas envie de mourir trop vite sur un combo. Alors ici, je vais mettre la pulsion. Voilà. Voilà, comme ça, je récupère pas mal de points de vie. Ici, je vais taper avec mon corps à corps. Ensuite, pareil avec le corps à corps de ma Echo. Ça, je me soigne un petit peu. Je vais même jouer le sort de Echo. Et ici, je vois que j'ai tout pile poil ce qu'il faut pour invoquer l'épinette. Donc, je vais en profiter. Comme ça, je me fais taper ni par son corps à corps, ni par le corps à corps de sa Chuchir. Donc, c'est très intéressant ici. Et là, vu qu'il n'a que 2 mires et que 2 points d'action dans sa réserve, je ne sais pas en fait s'il a les dégâts pour me terminer. Donc là, bah, je vais espérer qu'il n'ait pas les dégâts pour me terminer. Donc j'ai quand même 220 points de vie ici. Lui, il ne reste que 83 points de vie. Donc là, il va mourir tour prochain s'il ne fait rien. Donc là, mon adversaire doit être en train de calculer comment à la fois gérer ses mires, à la fois gérer ses points d'action, sa pioche éventuellement. Donc là, il va peut-être partir sur un flécheur pour commencer. Donc là, il dit GG. Et il va décider de se suicider. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Enirypsa Ambre Tamashi joué par Bimi Otomai. Alors, c'est encore lui qui va commencer en premier. Pourtant, le deck que j'ai présenté n'est pas si lourd que ça. Donc là, on a une version sans doute très agressive en face. Donc là, il a Laboratoire T1. Donc, une sortie qu'on aime avoir lorsqu'on joue Ambre Tamashi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, j'ai vraiment une sortie horrible parce que j'ai des combos avec les pièges, mais je suis pas à portée. Et bah, je suis obligé de cramer mon sort Asdaglactique, même s'il n'y a pas l'état mouillé. Je suis obligé de faire ça ici pour avancer sur mes jauges. Donc c'était vraiment une sortie très mauvaise de ma part ici. Donc là, il a généré un Nocturien. Donc un Nocturien dans sa main. Ici, on va essayer peut-être de tuer le laboratoire de Nocturancy. Parce qu'il peut être très gênant finalement à force. Hein, parce que ça contrebalance le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pioches lorsqu'on joue Terre. Alors il nous joue l'équilibre. Il avance comme ceci et il nous met un Nocturien à notre corps à corps. Très bien. Donc peut-être que là, il nous offre l'attaque au corps à corps parce qu'il veut qu'on y aille. Bah moi, je vais y aller directement. Donc c'est parti, je vais jouer le piège mouillant avec la sanglade. Hein, ça me permet de générer 2 jauges haut tout en faisant 2 bons dégâts et en me soignant. Alors ensuite, bon, je me prends l'explosion du Nocturien, mais ce n'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, je remarque hein, qu'il ne reste que 20 points de vie au laboratoire. Donc une écho semble très bien indiquée pour le défoncer. Alors ici, il me joue ce sort-là à la vie et à la mort, je crois, je ne sais plus trop. Puis ce sort-là qui permet de générer un Nocturien si on a l'état boueux, mais on n'a pas l'état boueux. Donc là, il a 5 de jauge, donc il commence pas à invoquer de compagnon. Donc peut-être un Tristopin qui va arriver, ou une Amalia, on verra. Ici, je vais jouer un sort à 2 de jauge haut, donc c'est parti pour la punition spongieuse. Et on va partir sur la Echo pour terminer le laboratoire de Nocturancy. Tout en laissant notre Echo près de nous, de telle sorte à ce que si notre adversaire nous tape, on pourra taper avec Echo au prochain tour. Donc là, je lui verrouille à la fois son passif, mais aussi sa pioche. Donc ça me semble à ce moment-là être une bonne opération, on va voir pour la suite. Alors là, il réfléchit. Il y a un jauge haut, on ne sait pas s'il va s'en servir. Donc là, il nous met le bouclier, je ne sais plus trop quoi.
puis ensuite le dernier Nocturien qui lui restait, puis c'est le Tristepin. Donc Tristepin qu'on n'a pas envie de gérer pour trois raisons, déjà parce qu'il c'est long à tuer, aussi parce qu'il a un effet de mort, et en plus si jamais on commence à le taper, notre adversaire peut très bien faire le sort qu'il sacrifie là, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs c'est bizarre parce que je connais très bien ce sort là. Alors ici, voilà, je vais faire un tour avec un piège très classique tout en me soignant. On met la pression et on se soigne en même temps. Et en plus, je me suis écarté de la zone d'explosion du Nocturien. On ne prend pas les dégâts pour rien. Alors ensuite, donc oui, sacrifice honteux le sort. Alors là, il me tape avec son corps à corps. Il va sûrement faire pareil avec son Tristepin. Donc, Tristepin qui met quand même pas mal de pression. Mais on voit au niveau des points de vie que je suis en avance. Donc il se place en opposition pour éviter que l'on puisse fuir le corps à corps d'un de ses personnages. Alors, il nous joue le bond de Tristepin. Très bien. Et il nous met le doigt boueux. Bon. Alors, ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? J'aime bien éventuellement commencer à me protéger. Donc, je vais partir sur le soin d'Echo. Parce que Echo a quand même pris des dégâts aussi. Donc, ça permet de mettre un petit peu de value dessus. Voilà. Ça me permet d'avancer sur ma jauge R. Donc la jauge R, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que mes compagnons ne consomment pas beaucoup de jauge R. Donc prochain tour, ce sera sûrement soit une épinette. Soit si j'ai de la jauge feu, je sais plus, j'ai plus trop suivi le cycle de mon deck. Mais si j'ai de la jauge feu, je pourrais éventuellement invoquer la chimiste. Donc là, il nous fait un gros tour. Hein. Il remet son laboratoire. Et il nous invoque en plus son héros endurci. Bon là, je vais sûrement partir sur la épinette, hein, vu ce que je viens de piocher. Alors... C'est vrai que la sanglade c'est prochain tour, donc je ne pourrais pas bénéficier d'une jauge feu avant le prochain tour. Mais vu que ma jauge R, j'aime pas trop qu'elle reste endormie trop longtemps, bah, je vais l'utiliser. Donc c'est parti pour épinette, hein, le coup classique. Qui permet à la fois de profiter de mon corps à corps, du corps à corps d'épinette, tout en me mettant à l'abri. Et en même temps, je me mets à l'abri à la fois de son corps à corps à lui, mais aussi de ses trois compagnons. Enfin de ses deux compagnons qui me mettaient quand même beaucoup de pression ici. Donc ici, que va faire mon adversaire? Alors, il attaque la Echo. Ensuite, il continue d'attaquer la Echo avec son Tristepin. Il va commencer à s'en aller, donc c'est lui qui commence à subir trop de pression ici. Se mettre un Nocturien sûrement pour protéger un de ses flancs. Il va faire un sacrifice honteux qui a une très bonne value ici, il fait énormément de dégâts. Et en plus l'effet de mort de Tristepin qui proc, voilà. Donc ici à la base, je voulais partir sur un réveillé Echo. Sauf qu'elle a que 3 points de vie, donc si je la réveille, je la tue. Donc c'est une très très mauvaise idée de faire ça ici. Puis après ici, je remarque que j'ai 2 points d'action dans la réserve, donc je peux faire un tour avec l'étage lait en un tour. Ça, si le même adversaire joue 2 sorts, prochain tour il est mort. Donc ça met de la pression. Et avec ce qu'il a sur le terrain, et les jauges qu'il a, je suis pas sûr qu'il puisse m'invoquer un compagnon à mon corps à corps. Donc là, ça semble assez bien parti pour la victoire. On va voir ce qu'a fait notre adversaire ici. Donc là, il doit réfléchir à mon avis. Je sais pas trop comment il pourrait nous tuer ici. 83 points de vie. Il faudrait à la fois nous faire un gros sort. Donc il part sur une main boueuse. Et il nous met un Marcus. Eh bien, donc il voulait faire un tour à un seul sort. Pour éviter de prendre trop de dégâts. Je suis donc à 36 PV. Mais là il a rien pour se protéger. C'est parti pour une punition spongieuse. Pour terminer ce combat. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Xeller Sabliaton Gigant. Joué par Dibli. Donc c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Alors la main de départ n'est pas trop mal ici. Alors je vais commencer par la peau d'ombre, hein, pour deux raisons. Déjà, si jamais il a rien pour l'inciblable, bah, c'est très bien, je gagne un tour. Mais en plus, la peau d'ombre est un de mes rares sorts qui me génère de la jauge R. Donc voilà, vu que j'ai besoin de 4 générations de jauge R pour invoquer tous mes compagnons, je préfère cycler dessus rapidement. Là, il me met juste un sinistro et il préfère avoir du retard sur ses jauges que de s'infliger des dégâts. Très bien. Donc là, je pars sur un étage lait. Et je vais mettre au milieu, j'ai envie de mettre la pression parce que Sabliaton Gigant, ça génère beaucoup de générations de jauge haut. Mais ça n'a pas beaucoup de moyens de sustain en fin de partie. Donc là, j'ai vraiment envie qu'il vienne m'attaquer au corps à corps. Donc je lui offre l'attaque au corps à corps, ce n'est pas grave. Et là, on voit qu'il stack de la réserve, il a 4 points de réserve. Bon, donc ça lui permet d'avancer encore plus rapidement sur sa jauge haut. Il tape avec son corps à corps, très bien. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc je vais partir sur un combo classique avec piège plus, on déclenche le piège immédiatement. Et là c'est parti le bump, donc avec ses 5 points de jauge, il peut être invoqué très rapidement tout le temps. Donc je pars dessus pour lui mettre la pression. Alors ici,
qui a fait notre adversaire. Donc là, j'ai pas regardé au début s'il avait l'éternité. Et c'est une erreur de ma part, hein, j'aurais dû regarder s'il avait l'éternité ou pas, en regardant les points de vie qu'il gagnait en début de partie. Et en l'occurrence, il ne l'a pas. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour nous ici. Donc là, il me tape, il joue la permutation qui permet de générer 3 jauges hauts. Alors ensuite, il reste encore 4 points d'action à sa réserve, 1 point d'action. Il tape avec son compagnon, très bien. Donc son compagnon, on s'en cogne allègrement, on va continuer sur notre adversaire. On va avancer sur notre jauge haut, donc à la fois pour épinette mais aussi pour écho. Et en mettant l'état mouillé, pour profiter du meilleur value sur le point de tsunami. Donc ici, il réfléchit, hein. Donc tant qu'il défonce pas trop mon bump, je me dis que le bouclier, je peux le garder en main. Mais dès que je vois qu'il va partir sur un focus bump, il faut absolument utiliser le bouclier avant qu'il meure. Sinon, j'aurais plus assez de mains. Et en fait, c'était un sarcophagus. Très bien. Donc, sarcophagus qui va bloquer le chemin. Donc là, je ne peux pas taper avec les deux corps à corps. Et en plus, il met un gousset. Très bien. Et gousset qui va le laisser là. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Sûrement pour bloquer davantage. Enfin, je ne sais pas trop. Alors ici, je suis bien embêté par le sarcophagus. Hein, 200 points de vie, j'ai pas du tout envie de le focus. Et il me bloque bien. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'avec le SRAM, j'ai de quoi décaler. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Hein. Je vais balancer la pulsion pour le décaler. Et en même temps, je le mets dans un piège hein, pour profiter d'un peu de soin en même temps. Et là, j'ai deux choix. Soit je tape avec le bump, soit avec mon héros. Je préfère taper avec mon héros parce que je peux invoquer ensuite la épinette. Et la épinette va me permettre de mettre davantage de dégâts donc à travers un autre corps à corps. Puis après le bump, je sais pas trop quoi en faire ici. Donc je regarde un peu les points de vie de tout le monde. Et étant donné que j'avais commencé à focus le gousset, donc gousset qui peut être quand même chiant parce qu'il peut bloquer le chemin, bah je continue de partir sur le gousset. Alors ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là il a une sorte de porte de sortie vers le haut. Donc j'aurais peut-être dû placer ma épinette un peu autrement. Mais c'est vrai que j'avais pas anticipé le déplacement de mon bump avant. Donc c'est peut-être une erreur de ma part ici. Alors, pour l'instant il réfléchit. Il va commencer par taper ma épinette avec son corps à corps. Donc il va fuir mon corps à corps, mais il reste au corps à corps de l'épinette. Très bien. Alors ensuite, mettre un sinistro haut ici, donc pour protéger un de ses flancs. C'est très bien. Il reste donc 5 points d'action, voire 7 s'il crame la réserve pour compléter son tour. Là il nous met une concentration. Et ensuite il crame la réserve pour... Très bien, Sabé du Xelor qui profite d'une value moindre de par le fait qu'on n'a pas de points d'action dans la réserve. Et ça colle quand même 30 dégâts, hein, ça fait quand même assez mal. En même temps, c'est un sort à 4, il génère que 1 de jauge. Donc voilà. Et ici, il nous remet l'état mouillé avec la concentration. Donc là, je vais commencer par profiter du corps à corps de ma épinette. Hein. De toute façon, je suis assez bloqué ici. Là, je vais casser le sinistro avec mon corps à corps. Alors ensuite, mon bump, je sais pas trop quoi en faire pour le moment. Peut-être que je vais continuer sur le gousset. Donc je pense que c'est ce que je vais faire ici. Hein. Donc j'ai entamé le gousset, je vais continuer à le faire. Parce que mine de rien, il bloque le chemin. Hein. Ça fait une entité de plus. Donc là, mon adversaire commence à se barrer. Il va sûrement essayer de m'encercler, de m'enfermer dans cette position-là. Et vu que je ne joue pas le sort passe-muraille, bah, je vais être enfermé donc. Alors ensuite, il met un Rémus, donc il va commencer à voler nos points d'action. C'est pas terrible, hein. On en avait besoin. Très bien. Et ensuite, encore 9 points d'action ou 7. Là, il défonce notre épinette. Donc, ça fait une force de moins, une force de frappe de moins de notre part. Donc, c'est ça qui essaie vraiment de stabiliser comme il peut ici. Et il fait ça à travers son placement. Très bien. Donc là, dommage que je n'avais pas... Enfin, dommage que je me sois fait voler les points d'action. Parce que là, j'aurais eu un tour très intéressant avec état gelé. Donc là, je vais devoir partir sur autre chose. Donc je vais essayer quand même de survivre parce que je commence à prendre beaucoup de dégâts et il y a beaucoup d'entités en face de moi. Et en même temps, je pourrais avancer sur mon alchimiste armuré pour la suite. Donc alors, c'est parti pour la peau d'ombre. Ensuite, je vais terminer avec Bump et je vais commencer à m'approcher de mon adversaire. Comme ça, prochain tour, si jamais ça change pas trop, bah, je pourrai l'atteindre. Puis ici, je vais hésiter entre l'état mouillé et le bouclier de bump. Donc finalement, je pars sur le bouclier de bump. Donc je ne setup pas l'état gelé pour le prochain tour. Mais je sais avec le cycle de mon deck que la prochaine carte que je vais piocher, ça va être la sanglade. Donc je pourrais faire un tour avec piège plus sanglade, ce qui fait quand même beaucoup de dégâts. Alors ici, il réfléchit. Donc là, il doit à la fois fuir, protéger ses flancs. Tout en... Enfin, c'est compliqué pour lui ici, donc il faut qu'il réfléchisse.
et il va décider de se suicider. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée, c'était Akous. Ciao.